sérieux? Genre, il m'a pas suivi, quoi. This way. Roger. Tiens, au passage, Billy, tu peux peut-être équiper ton fusil que tu as si durement acquis. Ouais. Ah. On va s'amuser. Je sais plus quelle est la seconde porte d'ailleurs qui était fermée avec le mécanisme de l'horloge. T'as oublié le truc qui lui donne rien. Mais non, c'est lui. Je sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Faut que je regarde la carte. C'est là. Oh putain, ouais, ok. C'est, faut passer par le couloir où, du coup, il y avait le zombie chelou. J'espère que c'est pas toute l'aile, le rez-de-chaussée de l'aile ouest hein, qui est infesté de ces trucs. Parce que sinon, je vous garantis que je vais mal le vivre. Hein. C'est le couloir qui donnait aussi sur les toilettes. Donc où il y avait le deuxième zombie et que lui par contre je n'ai pas battu. Le zombie boyau là. On va les appeler comme ça les zombies boyaux parce que je ne connais pas leur vrai nom. Les zomboyaux. Eh. D'accord, par contre, que celui du couloir, je l'ai défoncé. De toute façon, on va vite le savoir. Oh putain, il reste des trucs. Je pense qu'il faut pas être statique. Sinon, les trucs vont te grimper dessus. Oh putain, on débrouille pas, évidemment. Encore débrouille pas. A priori, c'est tout. Et on a, bon, des munitions de flingue. Après, il a son flingue hein, aussi, Billy. Mais bon, j'avais pas un film que j'aurais pu mettre dedans. Projecteur de microfilm. J'ai un microfilm. Quelque part. Je l'ai laissé quelque part. J'ai l'impression qu'il en faut deux. Je sais pas si c'est quelque chose qui sera utile si jamais on en a qu'un.
Oui, on peut en mettre deux. D'autant que mon microfilm, il s'appelle le microfilm A, j'imagine que va y avoir le B. Mais du coup, j'ai comme l'impression que là, il n'y a pas grand-chose. Concrètement, voilà, bon, ça s'est projeté, rien n'est affiché à l'écran, forcément, puisqu'il n'y a pas de microfilm. On va se dire les choses, hein, en toute sincérité. J'aurais bien apprécié qu'il y ait des munitions de fusil dans le coin. Parce qu'à tous les coups, le microfilm B, il est dans l'autre salle. Hop là, on n'est pas statique. Vous savez quoi? On va sauvegarder maintenant. Parce que comme ça, on n'aura pas tout à refaire. Là, il y a une machine à écrire. Oui, j'appuie sur le bouton avec mon verre. Sailing safer, évidemment. Tout à fait. Donc du coup, qu'est-ce que je fous là? C'est pas cette porte-là que je suis censé passer. Après, peut-être que dans cette salle-là, il va y avoir la clé de l'eau. Par exemple, et pas de microfilm B. Et pas microfilm B. Ok. Je n'ai plus de balles de fusil. Ce n'est pas grave. C'est là. Oh! Oh! Regardez qui voilà! Vous ne pouvez. Une blague. Oui, c'est une blague. Alors. On va donner l'essence à Rebecca. Elle porte rien. Parce que de toute façon, les munitions de fusil, je les prends, je vais les mettre directement dans le fusil. Donc, sont mis, non. Non, 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 non. Mettons-nous d'accord sur le fait que non. Partageur sur les documents soigneusement classés, il n'y a rien d'intéressant. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose d'intéressant. Je regarde s'il y a autre chose que le microfilm, le poème, évidemment. D'accord, ils n'ont rien de mignon. Non, 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 non. Après, j'ai envie de dire, si jamais on veut faire un élément comparatif entre les zombies et les zomboyaux, les zombies sont un peu plus mignons. Un peu, je suppose. Des livres traînent par terre. Feu avoir été, a l'air d'avoir été allumé il y a peu de temps. Nous souhaitons toujours voir le bon côté des choses. J'ai gardé le flingue pour Billy. Ouais, j'ai pas beaucoup de munitions de fusil, hein, donc on va essayer de les garder un petit peu. Les drones, mais pas les dissimes plutôt. Oui, voilà.
Ah, c'est bon. J'ai oublié de prendre le microfilm A. Boulet. Je l'ai laissé dans la salle où il y avait la statue blanche. Non, mais c'est juste pour le plaisir de repasser dans cette salle où on a vécu tellement de choses. Notamment risquer de ne plus vivre d'ailleurs. Dis-moi, extrêmement immonde pour les petites filles, les zombies, pas pour les tout simples, mais c'est ça. Mais personne ne s'arrête d'oublier certaines gens. Oui. Mais là, je l'avais dit juste avant, quoi, qu'il fallait que je prenne le microfilm. Mais bon, c'est pas grave. J'avais laissé parce que je manquais de place justement pour les statues. Ça, c'est un peu une règle d'or, j'ai l'impression, dans ce jeu. C'est vraiment, il faudrait prendre des objets vraiment si tu sais où les mettre déjà. Ah, il est là. Je plaisante à passer par les endroits avec ce souvenir. Bah ben oui, bien sûr. Voilà. Rebecca, elle a de la place. Où vas-tu, Rebecca? J'aime bien du coup ma description. Je n'ai jamais complété encore ma description sur Twitch. Il faudrait parce que du coup ça rajoute de l'identité à ta chaîne. Et là je vois celle qui est générée du coup automatiquement par Twitch. C'est Captain Mackenzie stream Resident Evil 0 HD, Cooking Diary, Tasty Hills et Undertale. Trois jeux qui ont évidemment qui sont très liés entre eux, évidemment, tant sur le gameplay que sur l'ambiance et le scénario. Mais c'est dur de remplir une description, quoi. Tu veux dire quoi? Assez proche. Mais bon. Quelque chose d'écrit sur la photo des sièges. Donc ça, on est d'accord, ça ressemble à... Enfin, moi, typiquement, là, ça me fait penser à la salle, l'espèce de petit amphithéâtre, ou la salle... J'ai envie de l'appeler la salle d'audiovisuel, vu qu'elle ressemble beaucoup à celle de Danganronpa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, on dirait de l'hexadécimal pour le coup. Disquemo. C'est peut-être le truc pour réinitialiser la sécurité au niveau de l'amphithéâtre, justement. C'est quelqu'un qui stream différents jeux, donc du Zelda, du Undertale, du Mario, etc. Oui, c'est ça. Du Resident Evil. En fait, c'est surtout Resident Evil qui se démarque du reste, parce que le reste, ça reste souvent un petit peu cute, enfantin.